a des matchs de foot et puis il y a ce match si particulier entre ces deux équipes. L'Olympique de Marseille affronte l'OM. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, vous êtes avec Nico Guéjou 13 sur FIFA 23 pour continuer le mois de carrière avec l'Olympique de Marseille et on commence directement avec le choc des Olympiques. L'Olympique de Marseille reçoit au stade Vélodrome l'Olympique Lyonnais. Et pour cet Olympico, les Marseillais ont aligné leur équipe B et du côté lyonnais ça va jouer en 4-3-3 mais on peut surtout voir que certains joueurs ne sont pas à 100%. Allez, c'est Eli Wahi qui va donner le coup d'envoi de ce choc. Et c'est parti. Allez, la casette avec Malo Gusto. Gusto qui accélère. Malo Gusto qui est très rapide. Allez, sans se jeter. Et attention. Et magnifique arrêt réflexe d'André Lunin. On écarte sur Rench. Rench avec Ramsey. On a vu l'appel de Taylor en bonne position, on la frappe de Taylor et ça passe à côté malheureusement pour le numéro 25 marseillais. Oh, il a fait une frappe aveugle. On va chercher Cherki le long de la ligne. Allez, Cherki qui rentre dans l'axe, on va jouer dans la profondeur pour Eli Wahi, il est pas hors jeu, la frappe de Wahi. Non mais c'est pas possible, ils font exprès là. Allez, Lirola qui va rentrer dans l'axe et qui va attirer les défenseurs sur lui. Ça laisse Taylor tout seul. Et la passe, elle n'est pas trop bonne. On va s'appuyer sur Cherki. L'enroulé de Cherki. Et c'est capté par Anthony Lopez. Et voilà l'arbitre qui vient d'être sifflé par monsieur l'arbitre sur le score nul et vierge de 0-0. Mais par contre, on manque de réalisme face au cage. On a eu deux grosses occasions. Deux occasions où on se retrouve en 1v1 avec le gardien. Et on tire à côté. Guendouzi, Wahi, Wahi dans la profondeur pour Jacob Ramsey, le face à... Non, non, là clairement il y a un problème les gars. Trois face à face ratés. Il est scripté ce match. Allez, la contre-attaque des Marseillais. Allez, dans la profondeur pour Ramsey. Et Ramsey qui va nous face à face encore. Faut pas la rater cette... mais non, je vise en bas et tire sur le gardien encore. Et Ramsey qui cherche des solutions. On va centrer au deuxième poteau pour Eli Wahi. Oh là là, mais quel magnifique arrêt réflexe d'Anthony Lopez. Allez, remplacement demandé côté marseillais. Sortie de Cherki, Wahi et Taylor. Entrée de Moreira, Djeng et Fataou. Et solide, solide la défense marseillaise. Oh, attention! Attention à ce mauvais dégagement et bel arrêt d'André Lunin! Incroyable! Allez, le dégagement là, mais avec pour Adonic. Allez, Bamba Djeng, on va essayer de lui mettre le ballon. Ça va passer pour Bamba Djeng. Allez, faut pas la rater la reprise. Oh, c'est arrêté par Anthony Lopez! On va tenter le dédoublement, peut-être une dernière action avec ce centre en retrait. Ah, c'est pas passé, dommage. Et voilà, c'est la fin de ce choc des Olympiques et le score est resté inchangé depuis la première minute jusqu'à la dernière. C'était un 0-0, mais par contre, on est d'accord, il était scripté le match. C'était très studieux, calme. Son nom est évidemment dans tous les esprits avant ce match. Il est sur le point de croiser la route de ses anciens coéquipiers et de son ancien club. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi du match. Et on enchaîne avec les quarts de finale retour de Ligue des Champions. Et pour ce match, l'Olympique de Marseille reçoit au stade Vélodrome le Bayern Leverkusen. Et pour ce match retour, les Marseillais ont aligné exactement la même équipe qu'à l'aller. Et on se rappelle, à l'aller, on avait gagné par 4-0. Donc aujourd'hui, on a juste assuré devant nos supporters. Et du côté du Bayern Leverkusen, ils vont jouer en 4-5-1. Par contre, eux,
S'ils veulent revenir, ils ont du pain sur la planche. Allez, c'est le Bayern Leverkusen qui va donner le coup d'envoi de ces quarts de finale retour de Ligue des Champions. Et c'est parti. Allez, Guerrero qui va se faire prendre le ballon par Coxou et Coxou qui ne lâche rien. Ballon récupéré par les Marseillais, ça part en contre-attaque avec Luis Suarez. Allez, Suarez face à Upamecano, il est passé. Luis Suarez face au gardien et c'est arrêté par le gardien du club allemand. Allez, c'est pas terminé. Corner pour les Marseillais. C'est bien parti. Et non, c'est repoussé par la défense. C'est pas terminé. On va jouer en retrait. Rodrigo, l'enroulé de Rodrigo. Et la main ferme du gardien du Bayern Leverkusen pour repousser cette frappe lointaine de notre Brésilien. Allez, Chic qui écarte sur le côté droit. Oh, la belle passe pour Djabi. Et la sortie rapide de Alban Lafont pour assurer son équipe. Allez, Guerrero pour Otavio. Otavio qui lève la tête et la passe complètement ratée. Belle protection de balle de Diogo Dalot. Et là, ça peut partir en contre-attaque pour peut-être une dernière action avant la mi-temps avec Luis Suarez. Suarez qui a l'arrivée de Gravenberch. Allez, Gravenberch qui est passé. On va jouer en retrait pour Rodrigo qui pousse ce ballon dans les cages vides. Et c'est l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille juste avant la mi-temps grâce à un but de notre Brésilien Rodrigo. Et du coup, ça fait 1-0 sur ce match retour et 5-0 au score cumulé pour les Marseillais. Et heureusement que l'arbitre a laissé jouer cette dernière action et qu'il n'a pas coupé comme d'habitude. Et voilà la mi-temps qui vient d'être sifflée par monsieur l'arbitre et le score est de 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Oh, attention à ce ballon par-dessus qui va être récupéré par Dalot mais rendu au joueur allemand. Attention, ça va passer pour Schick et bel arrêt de Alban Lafont. Allez, corner pour les Verkusen et c'est joué à deux. Et ça va passer là pour le Bayern Leverkusen. Attention, oh là là, il est tout seul. Il est pas hors jeu. Il n'y a pas de position de hors jeu. Et du coup, c'est l'égalisation au score du Bayern Leverkusen qui reste toujours à 4 buts de retard au score cumulé. Donc là, il va falloir passer directement à la 6e s'ils veulent revenir. Mais au moins, ce but va leur faire du bien. Et nous, il va falloir qu'on reste vigilants. C'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau. Savoir saisir la bonne... Dommage que là on n'a pas un bon angle de caméra pour voir s'il est hors jeu ou non, mais c'est quand même assez douteux. Hein. On va jouer le long de la ligne avec Rodrigo, Gravenberch, on joue immédiatement dans la profondeur pour Luis Suarez. Oh ! Oh l'assassinat ! Suarez qui partait tout seul au but et voilà le carton rouge pour Inacio qui va laisser son équipe à 10 alors qu'ils ont 4 buts de retard au score cumulé. Ah ça, ça va leur coûter cher. Allez, long dégagement du gardien. Et c'est récupéré par les Marseillais au milieu de terrain. Et Szoboszlai qui est tout seul. On décale. Suarez, le face-à-face, la frappe lourde. Et c'est le 2-1 pour l'Olympique de Marseille grâce à un but de Luis Suarez. Et on peut dire merci à leur gardien qui a complètement raté son dégagement. Il s'est précipité, il nous l'a rendu. Et derrière, regardez, j'ai deux joueurs dans l'axe pour un seul défenseur. Eh ben, c'était un but offert. Allez, remplacement demandé côté marseillais. Sortie de Suarez, entrée de Bamba Dieng. Sortie de Gravenberch, entrée de Alcaraz. Sortie de Under, entrée de Moreira. Sortie de Incapié, entrée de Scali. Allez, coup franc pour le Bayern. Leverkusen s'est tiré en plein milieu de la surface et s'est dégagé de la tête par les Marseillais. Et Rodrigo qui est tout seul aux avant-postes. Aïe, 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 dommage. Il n'a pas réussi à enchaîner. Oh là 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 là, attention à Backer. Et c'est au fond. Et ça fait 2 buts partout dans ce match retour de Ligue des Champions. Grâce à un but. Non, c'est pas Backer. Je crois que je me suis trompé. Mais en tout cas, but du numéro 5 du Bayern Leverkusen. Ah ben si, c'est Backer.
le défenseur qui est rentré en cours de jeu. On joue avec Rodrigo. Allez, Rodrigo dans la profondeur pour Bamba Dieng. Dieng qui est parti tout seul. La frappe de Bamba Dieng. Et 3-2 pour l'Olympique de Marseille qui répond immédiatement après le but de Bakker. Et ça fait 7-2 au score cumulé pour les Marseillais grâce à un but du entrant Bamba Dieng. Et par contre, pourquoi il n'a pas fait ça face à Lyon? Face à Lyon, on ratait tout. Tous les face-à-face, on les ratait et là, ça va tout seul. Je ne comprends pas. Lyon, c'était scripté, vraiment. Allez, on va jouer avec Moreira en retrait. Et c'est terminé. C'est la fin de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Et on retrouvera donc l'Olympique de Marseille en demi-finale. Il n'y a aucun doute sur la supériorité de cette équipe. On ne peut pas ne pas évoquer son nom avant cette rencontre. C'est un joueur dont le rendement est impressionnant puisqu'il est le Pichichi, le meilleur buteur du championnat pour l'instant. Et on enchaîne avec la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Et pour ce match, l'Olympique de Marseille reçoit au stade Vélodrome le Racing Club de Lens. Et pour ce match, les Marseillais ont aligné leur équipe B en espérant que cette fois-ci, ils aient bien serré les boulons. Et du côté du Racing Club de Lens, ils vont jouer en 5-2-3. Allez, c'est Eli Wahi qui va donner le coup d'envoi de ce rendez-vous. Et c'est parti. On écarte sur Lirola. Lirola qui va rentrer dans l'axe pour attirer la défense sur lui. Et on l'a vu, Ramsey à la ligne du hors-jeu. Et magnifique arrêt réflexe de Farinez. Bien l'interception, allez. Dans la profondeur, on prolonge pour Eli Wahi, le meilleur buteur de Ligue 1. Et c'est au fond des filets, c'est l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille grâce à un but de Eli Wahi. Et on a galéré hein, pour marquer ce but. Et même là, j'ai pensé qu'il allait se rater. Il a tiré quasiment sur le gardien. Ouais, quoi que ça va. Taylor, Guendouzi. Taylor à nouveau. La frappe pointaine de Taylor. Et bel arrêt de Farinez sur cette frappe lointaine du joueur marseillais. Allez, c'est pas terminé. Corner pour l'OM. Et c'est Matteo Guendouzi qui va s'en charger. C'est bien tiré. La tête de Balerdi. C'est au fond des filets. Ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille qui se met à l'abri dans cette rencontre grâce à un coup de boule de Leonardo Balerdi. Franchement, c'est dommage qu'il soit pas aussi fort en vrai. Dans le jeu, il est grave plus fort, quoi. C'est pas normal. Enfin, il est. Bon, voilà, vous avez compris. Il est plus fort qu'en vrai dans le jeu. On écarte sur Cherki, Wahi, Cherki à nouveau. Allez Cherki, il faut s'appliquer, la frappe croisée de Cherki. Et belle parade encore une fois de Farinez. Allez, corner pour les Marseillais en espérant qu'il soit aussi bien tiré que lui où on a marqué. Ça part bien déjà et dommage, c'est repoussé par la défense. Cherki, l'enroulé de Cherki. Et c'est au fond des filets, 3-0 pour l'Olympique de Marseille grâce à un but de Ryan Cherki. Une magnifique frappe pointaine du mauvais pied de Cherki. Et même si le corner était moins bien tiré que le précédent, eh ben ça s'est quand même terminé par un but. On écarte sur Lirola. Allez, Lirola qui va rentrer dans l'axe. Ah, c'est pas passé, mais Lirola qui conserve le ballon. C'est bien joué, Eli Wahi. Le petit piqué de Eli Wahi. 4-0 pour l'Olympique de Marseille. Grâce à un doublé du meilleur buteur de Ligue 1, Uber Eats, Eli Wahi. Même si là, on a eu beaucoup de chance hein, avec cette récupération de Lirola sur une passe ratée. Enfin, il a le compte favorable, enfin, vous avez compris. Belle récupération de Lirola qui a rien lâché. Derrière, Wahi dans la profondeur. Le petit piqué, le geste de très grand attaquant. Et c'est au fond du filet. Allez, corner pour les Lensois. C'est tiré en plein milieu de la surface. Et c'est dégagé par les Marseillais. Mais ça va revenir, attention. Ouais, mais si tu me donnes le bon joueur, c'est mieux. Hein.
Au lieu de me donner le joueur qui est en face de lui qui est en position du ballon, il m'a donné lui qui est à côté. Tu veux que je défende comment, moi, avec le mauvais joueur? Et du coup, réduction au score du Racing Club de Lens, juste avant la mi-temps, grâce à un but de Fofana. Eh, franchement, ça fait chier de prendre un but comme ça, et ça arrive souvent sur FIFA qu'il ne te donne pas le bon joueur. Et regardez, vous voyez, en fait, j'ai Balerdi qui est juste devant, il me donne Guendouzi qui est à côté. Et du coup, ben, j'ai décalé tous mes joueurs et ça a laissé un trou pour Fofana. Allons jouer avec Wai, on a Ramsey, on a l'appel de Radonjić là-haut, c'est passé dans le dos du défenseur. Allez Radonjić, la frappe croisée du Serbe et c'est repoussé par Farinez et dégagé loin devant par la défense. Et voilà l'arbitre qui siffle la mi-temps sur le score de 4 à 1 pour l'Olympique de Marseille. Allez Guendouzi. Guendouzi dans la profondeur pour Radonjić. Radonjić qui va prolonger pour Ramsey. Le petit lob de Ramsey. Et ça fait 5 à 1 pour l'Olympique de Marseille. Grâce à un but du numéro 8, Jacob Ramsey. Et ça fait deux petits piquets dans ce match face à Lens. Et en même temps, Farinez, c'est un petit gardien. Donc les lobes, ben c'est plus facile sur lui. Mais en tout cas, le toucher de ballon, pépite. Radonjić avec Eli Wahi, ça va pas passer, ballon contré. Oh, attention à ce beau ballon dans la profondeur. Allez, André Lunin qui est sorti. Et André Lunin qui va se prendre un lob lui aussi. Et c'est une petite réduction au score du Racing Club de Lens qui a toujours 3 buts de retard. Mais ce but a le mérite d'être là. Et il est beau sur une magnifique passe laser du milieu de terrain pour l'attaquant. Et en une touche de balle, le petit piqué sur André Lunin qui malheureusement ne peut rien faire. Hein. Mais par contre, la passe, elle est abusée. Hein. Eh bien, ça fait 3 piqués dans le match. Allez, remplacement demandé côté marseillais. Sortie de Ramsey, Wai, Taylor et Balerdi. Entrée de Fataou, Dieng, Alcaraz et Léonard du centre de formation. Et l'arbitre qui va pas tarder à siffler la fin de ce match. Il renvoie aussi maître joué court par Farinez. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. Et c'est les Marseillais qui l'emportent par 5 buts à 2. Et du coup, là, mes joueurs ont bien serré les boulons et on a vu qu'on est très bon face au cage. Alors pourquoi, face à Lyon, eh ben on n'y arrivait pas alors qu'on était seul face à la cage? Ouais, je vais lui dire encore une fois, mais c'est le script. Et on va conclure cette vidéo avec le classico français. Le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princesses l'Olympique de Marseille. Et pour ce choc, les Parisiens ont aligné un 5-2-3, mais on peut surtout voir que quasiment toute l'équipe est fatiguée. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et du côté marseillais, c'est l'équipe type qui a fait le déplacement. Et c'est Luis Suarez qui va donner le coup d'envoi de ce classico. Et c'est parti. On l'a vu Coxou dans la profondeur pour Luis Suarez. Et la frappe de Suarez, non! Aïe, 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 aïe. Ouais, j'espère que les prochaines frappes, elles seront cadrées. Hein, que ça va pas faire comme face à Lyon. Allez, long dégagement de Navas. Et c'est un Marseille à la réception, bien joué. Le ballon par-dessus pour Luis Suarez. Ça va passer pour l'attaquant marseillais. Cette fois-ci, c'est au fond des filets. Et c'est l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille grâce à un but de notre numéro 11, Luis Suarez. Et directement sur le dégagement de Navas, on marque. C'était une action coup sur coup. Sauf que cette fois-ci, elle est au fond des filets. Long de la ligne avec Under, dans l'axe avec Szoboszlai, on a Gravenberch. Allez, dans la profondeur pour Rodrigo qui la demande. Et il est passé, Rodrigo, le face-à-face avec Navas. Et c'est au fond des filets, ça fait 2 à 0
pour l'Olympique de Marseille grâce à un but de notre Brésilien Rodrigo. Et l'Olympique de Marseille qui se met à l'abri dans ce classico grâce à ce deuxième but. Et clairement, ce classico, il a un sens unique. Il va que dans le sens des Marseillais. Allez, Messi qui se retourne et qui va jouer avec Hakimi. Mbappé qui est trouvé dans l'axe. Mbappé qui décale. Et attention, Mbappé qui est tout seul. La frappe lointaine et c'est repoussé par Alban Lafont. Allez, on attend. On a du monde. On a énormément d'appels. On est en surnombre sur cette offensive. Il faut s'appliquer. La frappe de Hunder et c'est au fond des filets. Et 3-0 pour les Marseillais juste avant la mi-temps. Et ce but, il va nous faire énormément de bien parce qu'à 2 buts d'avance, on est à l'abri, mais ils peuvent revenir. Mais à 3 buts, c'est beaucoup plus compliqué pour les Parisiens. Et Gakpo qui accélère, et Gakpo qui est accroché pour le moment par Diogo Dalot. Et Dalot solide, l'arbitre qui laisse l'avantage, le centre à l'entrée de la surface, attention, peut-être une action juste avant la mi-temps, et c'est au fond des filets. Et les Parisiens qui réduisent le score grâce à Lionel Messi, les Parisiens qui ont plus que 2 buts de retard maintenant, et il leur reste 45 minutes pour égaliser. Et du coup, les Parisiens qui sont relancés grâce à ce but. On a craqué juste avant de rentrer au vestiaire, c'est vraiment dommage. Et voilà la mi-temps du Classico qui vient d'être sifflé par monsieur l'arbitre. C'est les Marseillais qui mènent le score par 3-1. Et la passe et ballon donné aux Marseillais, fait intercepter par Gravenberch. On l'envoie tout de suite, The Boslay dans la profondeur. Et The Boslay en retrait pour Coxou. Et bel arrêt de Keylor Navas. Et la passe pour Mbappé. Mbappé qui va essayer de passer à la vitesse. Non, il talonne pour Messi. Messi pour Mbappé. La frappe de Mbappé. Et la main ferme de Alban Lafont pour repousser ce ballon en corner. Allez, la touche pour les Parisiens à proximité de la surface marseillaise. Et ça va passer dans le dos de la défense. Attention, sans se jeter, c'est repoussé par Alban Lafont. C'est bien joué, ça. Allez, remplacement demandé côté marseillais. Sortie de Gravenberch, Under, Suarez et Incapié. Entrée de Alcaraz, Moreira, Dzeng et Joscali. Le ballon dans la profondeur pour Achraf Hakimi. Et Hakimi qui est cuit. Le centre et c'est repoussé par la défense marseillaise et on écarte sur Moreira. Aïe 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 Moreira, attention à cette mauvaise conduite de balle. Ballon perdu, ça va passer, attention, faut pas laisser tirer. Et c'est au fond des filets juste avant les 90 minutes. Et c'est signé Mauro Icardi qui redonne un espoir au Paris Saint-Germain. Ils peuvent encore égaliser dans cette fin de match. Et on le voit, ils sont tous en attaque, ils donnent tout. Et nous, il va falloir qu'on tienne. Il va pas falloir faire les cons, clairement. Et voilà, c'est terminé. C'est l'Olympique de Marseille qui remporte ce classico par 3-2 au Parc des Princesses. Et du coup, ça va être tout pour aujourd'hui, les amis. Donc, j'espère que vous avez kiffé l'épisode du jour. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites-moi péter le bouton des likes, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, partagez un max pour aider à me faire connaître et surtout, merci à tous et on se dit à bientôt et allez l'OM !